Eh bien bonjour, je vais vous présenter l'association Patrimaire. Comme son nom le laisse supposer, elle est le lien entre le patrimoine et la mer. Association créée en 2013, qui prend bien sûr ses sources dans l'histoire du village et de la vie des habitants d'Étretat. Vous voyez en ce moment des images du canot, donc c'est un canot à clin d'Étretat, construit dans les années 70-75. Ce bateau-là, il a été construit ici en plus, au chantier. Donc on s'est mis en relation avec Vincent Coquerel et on lui a demandé s'il était prêt à nous céder ou nous le vendre. Et il nous a dit ok, pas de problème, du moment que vous en occupez complètement. Quoi. On a remis en état le canot, on a refait les clins, on a refait le cul du bateau, les tambours qui étaient morts. Tout était mort derrière. Et après, on avait remis un moteur dedans. On a eu la chance de retrouver un nouveau moteur Perkins, 3 cylindres, qui fait 20 chevaux, 15-20 chevaux. Maintenant, on n'a plus qu'à faire des essais moteurs pour pouvoir envisager d'aller jusqu'à Fécamp. Le plongeoir d'Étretat, bien connu de tous les anciens étretatais qui l'ont utilisé pendant de nombreux étés. Il apparaît sur les plages de la côte normande au début des années 1900 avec le début du tourisme. Étretat, bien évidemment, a son plongeoir, voire sur certaines photos, deux plongeoirs, voire trois plongeoirs. Au début, c'était le casino qui avait en charge le plongeoir, qui le mettait à disposition des estivants en toute liberté. Et puis, dans les années 75-16, sur une tempête, le plongeoir a explosé. Notre association, par heureux hasard, a fini par retrouver ces deux roues. Et on s'est dit, eh bien voilà, comme on veut faire du patrimoine, on va reconstruire le plongeoir à l'identique. C'est une fête marine. Il faut savoir que le village d'Étretat, avant d'être un village touristique, c'était un village marin. Et qu'il y avait à Étretat 270 inscrits maritimes qui allaient à la pêche au gros, à Terre-Neuve. J'espère que le bateau qu'on voit aujourd'hui, qui sera dans l'eau le 20, c'est la dernière fois que vous le voyez. Pourra y être aussi le 26.
Cette journée est le fruit d'un travail en commun, car pas moins de 7 associations étrotataises se sont réunies pour proposer une animation avec le soutien financier de la mairie d'Étretat. L'arrivée du canot qui a été préparé par Patrick Maire, qui doit arriver vers 15h30. Mais ça dépend de la mère. La mère, c'est elle qui décide. Si c'est bien, il arrivera à 7h. À partir de là, sur le plongeoir, vous aurez le droit de vous baigner. Voilà comme on faisait au début des bains de mer à Étretat il y a un bon siècle. Ah oui. Après, vous aurez l'abbé Roquigny qui arrivera pour bénir les marins, les pêcheurs et la mer, bien sûr. La bénédiction de la mer qui prend un caractère spécial cette année grâce à Patrimère. J'irai bénir cette eau. Soyez bénis, soyez bénis. Là, je vois la découpeuse. Vous avez un air en tête. BTP, vous l'interprète. Ou pas d'ailleurs, ça dépend. C'est la chanson approximative de proximité. Faites ça pour les aînés.
la tête. Il y a que les chansons qui font la fête. Les gens qui passent à fait au mieux. Tu dois les rire tous les deux. Vas-y, l'artiste, vas-y, l'artiste.